Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, que le Dieu que nous prions, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, soit béni au-delà de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse tous les projets de vos cœurs, qu'il remplisse les frigos, qu'il apporte la guérison, qu'il restaure ce qui est malade, ce qui est courbé, ce qui ne va pas bien. Que le Seigneur fortifie chacun de vous au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour les abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour les partages. Je suis très contente de voir tout ce qui se passe sur la toile, vraiment. Le Seigneur fait grâce. La dernière fois, il m'a montré vraiment Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu est fidèle. Le Saint-Esprit travaille puissamment au nom puissant de Jésus. Merci vraiment pour les partages. Ça sauve des vies. Continuons à demander à ce que chacun de nous partageons les messages parce que le Saint-Esprit travaille à travers les messages. Merci pour tout ce que nous faisons pour le corps de Christ et ce que vous faites pour le corps de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Donc, je vais continuer les messages, mais avant cela, je vais prier. Amen. Divin Père, mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, toi l'étoile brillante, toi l'ancien des jours. Mon âme te dit gloire, 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 car tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu. Sois béni au-delà de toutes choses, sois élevé, sois magnifié, Papa, parce que tu es digne d'adoration. Reçois mon adoration, reçois le fruit de mes lèvres, les louanges qui sortent de ma bouche, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la création fasse silence devant toi et te rende toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Pardonne tous les péchés de l'humanité, pardonne tous les péchés que nous faisons. Et que ton sang versé à la croix lave tous les péchés de l'humanité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci Saint-Esprit pour tout, au nom puissant de Jésus, Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui je vais continuer la suite des messages. Donc je vais essayer de faire que ce ne soit pas trop long parce que le jugement que j'avais vu, c'était beaucoup... Il y avait beaucoup... Je voulais montrer au moment qu'elles étaient impliquées que ce n'est pas que les hommes, hein, parce que des fois, quand on parle de le mari qui ramène une facture, on croit que c'est que le mari qui a fauté. Donc, je voulais montrer tout ce que j'ai vu. Donc là, je vais parler des enfants et des maris, des papas. Amen. Amen. Donc, avant cela, je vais juste préciser parce qu'il y en a qui m'ont dit que oui, tu as quatre chaînes YouTube. Et tout, comment tu fais? C'est forcément pour les vues que c'est forcément pour l'argent que tu fais ça. Donc, je voulais encore demander aux gens d'arrêter de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur qui m'a appelé là, si vous êtes en train de dire des âneries pareilles, c'est contre lui que vous blasphémez. Amen. Parce que je n'ai jamais pris un centime de YouTube. Depuis que j'ai ouvert les chaînes du Seigneur, je n'ai jamais pris un centime de YouTube. Amen. Donc, s'il y a des pubs là, c'est parce que c'est YouTube qui met les pubs. Il n'y a rien qui me concerne au niveau de l'argent sur YouTube là-bas, ni sur les chaînes de YouTube. Amen. Donc, vous pouvez dire ça pour me décourager. Moi, vous vous fatiguez, oh. Vous vous fatiguez. Vous n'avez rien à dire. Donc, même je vous ai dit, dites ce que vous voulez, oh. Moi, je regarde, je dis rien. Donc, quand je fais quelque chose, je demande pardon. Ce que je n'ai pas fait aussi, je demande pardon pour les gens qui accusent. Amen. Donc, voilà. Je n'ai jamais pris l'argent de YouTube sur les chaînes du Seigneur. C'est très, très important que vous sachiez ça. Je le redis encore. Et aussi, je n'ai jamais envoyé un homme de Dieu depuis que j'ai donné mon témoignage. Amen. Je n'ai jamais envoyé un homme de Dieu auprès de d'une âme ou des âmes pour demander de l'argent pour moi, pour une œuvre ou pour quoi que ce soit. Non, jamais, 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 jamais. Amen. Voilà. Donc, faut que ce soit clair parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a des hommes de Dieu qu'ils ont contactés pour leur dire qu'ils font l'œuvre avec moi et que ils demandent de l'argent pour l'œuvre pour faire les choses et tout. C'est faux. Hein. Moi, je suis pas dedans. Je n'ai jamais demandé à un homme de Dieu de faire ça.
Amen. Donc, ce n'est pas moi. Je pense que je suis largement assez grande pour pouvoir demander si j'ai besoin. Amen. Et je ne les ai pas envoyés. Amen. Et de deux, et de trois, il y avait le groupe WhatsApp que j'avais ouvert pour le jeûne en 2022 et que je suis partie et qui a été fermé. Et on m'a signalé que le WhatsApp est toujours ouvert. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, c'est mon WhatsApp que j'ai ouvert pour le Seigneur. Donc, si c'est fermé, vous devez partir de ce WhatsApp parce que vous n'avez plus rien à faire dans ce WhatsApp, comme j'ai dit. Donc, si vous prenez mon nom pour faire vos WhatsApp et pour faire des choses avec mon nom, vous allez rendre compte à Jésus parce que c'est l'œuvre de Dieu que je fais, ce n'est pas la plaisanterie. Amen. Voilà. Donc, je ne plaisante pas avec l'œuvre de Dieu. Les choses que je fais, quand je tombe, quoi, ça me concerne. Amen. Mais l'œuvre de Dieu, je ne plaisante pas avec l'œuvre de Dieu. Je ne joue pas avec les messages que je donne. Je ne joue pas avec le travail de Dieu que je fais. Amen. Donc, si quelqu'un, encore si un de mon WhatsApp que j'avais donné sur le jeûne là-bas, en train de traîner sur ce WhatsApp qui est censé être fermé, WhatsApp est au courant. Ils vont venir vous trouver là-bas. Amen. Donc, ça, c'était très clair. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Je ne suis plus là-bas. J'ai fermé ce WhatsApp depuis, je crois, le 17 avril 2022, si je ne me trompe pas. Comment se fait-il qu'il soit toujours en activité et qu'il y ait encore des gens qui traînent sur le WhatsApp que j'ai ouvert qui est censé être fermé? Après, vous venez critiquer les gens alors que vous-même, vous êtes dans la désobéissance. Que Dieu soit béni. Franchement. Amen. Ceci étant dit, voilà. J'ai fait, je pense que pour le moment, je parle de ça. Je vous ai dit que je vais parler plus tard de certaines choses, mais pour le moment, je ne dis rien parce que je prends le temps, je ne suis pas pressée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Je ne citerai jamais le nom de qui que ce soit, j'ai déjà dit, mais je vais expliquer certaines choses plus tard. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, bien-aimé, que la gloire de Dieu soit bénie. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, comme je disais, je vais donner le message de la suite des messages là qui concernent les papas et les enfants, ce que j'ai vu. Donc voilà, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais vu les mamans qui étaient rentrées en jugement, tout ça, et j'avais vu que les mamans étaient parties tout dans le trou là. Amen. J'étais en pleurs. Je disais, ah, mais comment ça? Aucune maman n'est restée. Il n'y a aucune maman. J'ai vu personne. La place est devenue, la place était vide comme il n'y avait personne. Amen. C'était devenu vide, tout ce que j'avais vu c'était fini. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais encore en train de me dire, mais vous savez, quand vous êtes couché, je pense que ceux qui connaissent savent, ou ceux à qui Dieu parle beaucoup savent. Des fois tu es couché dans un songe, et le songe n'est pas, tu vois un songe, c'est pas encore fini. Le Seigneur t'explique quelque chose, et c'est comme si tu vas te réveiller, mais tu te recouches, et ça continue. Amen. Donc, quand j'étais entre deux, je n'étais pas vraiment debout encore, je n'étais pas encore vraiment levé, et j'étais là, je disais, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis réveillée, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai rêvé? Mais qu'est-ce que j'ai vu et tout? Et je me suis assoupie. Je me suis assoupie pour dire, bon, c'est pas grave, je vais essayer de dormir un peu. Amen. Et là, franchement, ça continuait. Qu'est-ce que j'ai vu maintenant? Là, j'ai vu comme des rangées. Mais c'était comme si c'était deux rangées. J'ai vu deux rangées. Deux rangées, j'ai vu d'abord, c'était des hommes. Que des hommes. Les hommes, là, ils étaient sur une très, très longue rangée. Très, très longue. C'était que des hommes. Il n'y avait pas de femmes dedans. Amen. C'était que des hommes. Et puis, à côté, j'ai vu que c'était des enfants. Maintenant, ce que j'ai vu là, c'était des rangées des enfants. Maintenant, après, j'ai vu sur le côté, c'était des enfants petits. J'ai vu comme des bébés. Amen. J'ai vu comme des bébés. Les bébés là, c'était comme si des femmes les portaient. Je ne sais pas comment expliquer. Mais les femmes là, c'était pas des femmes comme les mamans que j'avais vues. C'était des femmes comme. Elles étaient habillées comme si c'était des nurses, je ne sais pas comment dire, des femmes qui gardent des enfants, je ne sais pas comment expliquer. Elles étaient bien en robe, en tenue, comme si elles gardaient ces enfants-là, vous savez, comme les sœurs, là. Voilà, donc du coup, il y avait les bébés qui étaient au niveau de la base, elles étaient sur un autre côté. Et puis maintenant, à côté, il y avait des enfants, mais les enfants-là, eux, ça devait être peut-être de 1 an,
Un an, peut-être 1 an, 3 ans. Ils étaient à côté aussi. Ils étaient à côté. Il y avait aussi des femmes qui étaient à côté d'eux. Et puis à côté, maintenant, il y avait des enfants un peu plus grands. Les enfants, là, ils devaient avoir dans les... Peut-être dans les 5 ans jusqu'à 18, 5 ans jusqu'à 18 ans. En tout cas, ils étaient grands. Hein? Ils étaient petits jusqu'à grands. Et après, maintenant, il y avait les hommes, là, les papas, là. Amen. Donc maintenant, je me suis dit, ah, eux, là, ils sont départagés comme ça et tout. Mais pourquoi c'est départagé comme ça et tout? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je vois devant les papas, là? Devant les papas, là, juste devant où ils sont là, c'est marqué 1 Thessaloniciens 5, 23. Amen. Et puis maintenant, il y avait beaucoup de versets qui ont commencé à défiler. Beaucoup de versets. Il y avait Apocalypse 21, le verset 27. Il y avait Apocalypse 21, le verset 27, qui commençait aussi à défiler. Il y avait aussi plein de versets, hein. Il y avait ça que j'ai vu. Et puis Apocalypse, c'était Apocalypse. Apocalypse, c'était Apocalypse, Apocalypse que j'ai dit là. Voilà, je me souviens plus bien. Et puis il y avait aussi 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Amen. Et puis après, il y avait beaucoup de versets. Après Apocalypse 5, 23. Et puis Apocalypse, après 1 Thessaloniciens 5, 23. Et puis Apocalypse 21. Verset 27. Maintenant, il y avait des versets qui commençaient aussi à défiler. C'est-à-dire que c'était comme si c'était un panneau. Amen. C'était comme si c'était un panneau. Mais d'abord, en haut du panneau, là, c'était 1 Thessaloniciens 5, 23. Et puis en bas, c'était Apocalypse 21, verset 27. Et puis après, tous les versets que j'ai vus avant, là, ça commençait à défiler. Amen. Et il me semble qu'il y avait Romains, il y avait Romains 10, verset 9 à 10. Il y avait Marc 8, verset 36 à 37. Il y avait 1 Jean 1, verset 8 à 10. Et 1 Jean 2, verset 15. Et puis il y avait Lévitique. Il y avait Lévitique 6, verset 1 à 5. Et puis Ézéchiel 33, verset 14 à 6, 14 à 6. Non, Lévitique 33, verset 14 à 16. Et puis, il y avait aussi Nombre 5, verset 5 à 7. Et puis, il y avait aussi d'autres versets. C'était beaucoup, c'était beaucoup, c'était beaucoup. Et c'était comme ça en face des hommes, là. Maintenant, j'ai vu que les hommes, là, quand ils venaient là, ils étaient déjà enchaînés. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Les hommes étaient déjà enchaînés. Et puis, c'était les versets, là, qui étaient à côté d'eux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? La même voix qui parlait pour les femmes, là. La voix a commencé à leur dire que... Et puis, oui, amen, amen, merci Saint-Esprit. J'allais oublier. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Il y avait 1 Pierre. Il y avait 1 Pierre 3, le verset 7. Oh, merci Seigneur. Il y avait 1 Pierre 3, le verset 7. Et puis, il y avait aussi Éphésiens 6, le verset 4. Et puis, il y avait Éphésiens 5, le verset 23. Merci Saint-Esprit, j'allais oublier. Il y avait ces versets-là aussi. Et maintenant, j'ai entendu la voix, là. La voix, là, c'est la voix, là. C'est sûr, comme, je vous le disais, comme un siège qui est là. Et puis, il y a quelqu'un qui est assis dessus. Mais le visage, c'est des habits blancs. Amen. Mais le visage, c'est rayonnant. Le visage, c'est comme la lumière, le soleil, la lumière, je n'arrive pas à voir. Mais j'ai entendu comme ça que la voix a dit que, ne vous ai-je pas dit que vous êtes le chef de mes filles? Et puis, j'entendais que, comme un bois. C'était la voix, c'était comme la voix des mers. C'était comme, vous voyez quand il y a les vagues là, non? Vous voyez quand il y a les vagues là, ça fait vous, comme ça. Un bois. C'était une voix qui était puissante, une voix qui faisait peur. Et puis ça résonnait comme ça. Ça s'adressait comme ça aux hommes là. Hein? Et puis maintenant j'ai entendu que, ne vous ai-je pas dit que vous devez prendre soin de mes filles? Hein? Et puis maintenant, après j'ai vu qu'il y avait le verset qui a commencé à défiler là. C'était 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, là. 1 Pierre 3, le verset 7. Voilà. 1 Pierre 3, le verset 7 a commencé à défiler. Défiler devant comme ça mes yeux. Ça défilait comme ça devant nous. Et puis j'ai vu 1 Pierre 3, le verset 7. Et puis j'ai dit, ah. J'ai dit, ah. Après encore, j'ai vu Éphésiens. Le Éphésiens 5, verset 23. Après encore, j'ai vu Éphésiens 6, verset 4 qui défilait. Et puis la voix disait que je vous ai confié mes filles. Je vous ai dit que vous êtes une seule chair. Vous êtes. Et il y avait Genèse aussi. Oh, Jésus-Christ, il y avait Genèse, c'était quoi que j'ai vu? J'ai vu Genèse 2, je crois. Je crois que j'ai vu Genèse 2, verset 24. Je crois que j'ai vu Genèse 2, verset 24. Et Matthieu 19, verset 5. Quelque chose comme ça. Amen. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Et
Et ne vous ai-je pas, je vous ai confié, j'ai entendu, je vous ai confié mes filles. Pourquoi vous n'avez pas pris soin de mes filles? Je vous ai confié mes enfants, mes petits-enfants. Pourquoi vous n'avez pas pris soin des enfants que je vous ai confiés? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris soin d'eux? Vous étiez censé prendre soin de mes filles. Vous êtes le chef de famille. C'est à vous que j'ai remis mes filles. C'est à vous que j'ai remis mes enfants. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris soin des enfants? Pourquoi est-ce que vous avez entraîné mes enfants dans tous les faux documents, les faux papiers, les fausses déclarations? Toutes ces choses que vous avez entraînées mes filles et mes enfants là-dedans, vous avez condamné mes enfants et mes filles. En plus, vous ne vous êtes pas repenti. Bien-aimé, il y en avait qui criaient, mais c'est quoi la repentance? Il y en avait qui criaient, ça veut dire quoi? Il y en avait aussi qui savaient ce que c'était. Donc les hommes-là, ça pleurait, ça criait. Ils étaient beaucoup, mais eux, ils étaient déjà enchaînés. Pas comme les femmes où j'avais vu assises, tout ça. Non, eux, ils étaient enchaînés directement quand ils sont venus là. Ils étaient déjà, ils avançaient comme ça sur la ligne, ils étaient déjà enchaînés. Ils étaient déjà enchaînés. Et puis, maintenant, ils pleuraient. Il y en a qui étaient en train de dire, mais c'est quoi la repentance? Mais ça veut dire quoi? Et puis, il y en a qui demandaient, ils demandaient à l'autre, ça veut dire quoi la repentance? Et puis, il y en a qui demandaient, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivé ici? Il y en a qui demandaient aussi, mais on est où? Ça commençait à crier comme ça. C'était comme si, il y en avait même qui ne savaient même pas qu'ils étaient là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme s'il y en avait qui venaient d'atterrir même là comme ça, enchaînés directement, enchaînés. Et il y en avait qui étaient étonnés. Et puis j'ai commencé à entendre un bruit. Le bruit là, c'était comme le bruit de sable. Comme si, vous voyez, non? Quand, comment expliquer? Quand ça faisait, tu sais, comme si ça, c'est comme si c'est le, vous voyez, quand vous soulevez le sable dans des brouettes là, vous voyez les brouettes, non? Comme on dit les brouettes, comme les chariots. Si vous mettez le sable dedans là, beaucoup de sable, et puis que c'est en hauteur, vous voyez, non? Et puis vous faites verser le sable là, le bruit que ça fait, vous, là, et puis ça verse là, c'est ce bruit là que j'entendais. Et quand je regardais le bruit là, je disais, mais c'est quoi le bruit là? C'est quoi le bruit là? Mais je n'avais pas encore vu, c'est parce que je n'arrivais pas à voir c'était quoi, mais j'entendais le bruit. Amen. Et puis je vois qu'il y a une catégorie qui avance. Et puis quand la catégorie avance là, la catégorie là disparaît. La voix là parle que voilà, tu as fait les faux papiers. Toi là, tu t'es marié avec un faux. Et tu as entraîné ma fille à se marier avec un faux. Tu es condamné, mais tu as double condamnation parce que c'est toi qui étais censé empêcher ma fille de faire ça. Tu as double condamnation parce que tu savais. Et puis c'était par groupe. Et puis ils avancent. Et puis quand ils avancent là, j'entends fou, tchou, comme ça. Et puis ça tombe. Moi, je ne sais pas où. Mais après, je vais vous dire ce que j'ai vu par rapport à ça. Et puis après, il y a une autre qui vient. Toi, tu as fait un faux. Tous les bulletins que tu avais là, c'était ton travail de faire des faux bulletins pour avoir du travail, des fausses déclarations pour avoir du travail. Tu trafiquais tout. Après, c'était un groupe encore. C'était des groupes. Et puis, ils passaient. Et puis après, il y a d'autres groupes encore qui viennent. Toi, tu as pris l'argent de l'État. Tu n'as pas dit la vérité. Tu as pris l'argent de l'État et tu n'as pas remboursé. Et tu passais là-bas. Toi, tu as fait ceci. Tu as volé les papiers de ceci pour travailler. Et tu as volé les pièces d'identité des gens. Et tu as usurpé l'identité de quelqu'un pour avoir les papiers ou bien pour voyager. Il passait, tu as fait que ça, bien-aimé. Toi, tu as fait les fausses factures, tu as fait les fausses déclarations dans ton entreprise, et puis tu as gardé l'argent pour toi. Tu n'as pas, tu t'es pas repenti. Et puis c'était des catégories. Il s'adressait à des catégories. C'était comme s'il parlait à une personne, mais c'était un groupe. Et puis eux, ils partaient. Après, il y avait aussi des gens qui avaient fait les fausses déclarations là, de certificat médical que les gens ont touché l'argent. Bien-aimé, si tu as fait certificat de médical, quoi, alors que tu n'étais pas malade, et puis tu as pris l'argent là, tout ça là, ça passait là-bas aussi. Après, il y avait aussi les gens qui ont fait les faux papiers pour avoir des terrains de, pour construire. Tous ceux qui ont construit, les hommes, hein, c'était les hommes. Construire plus installer leur famille. C'était les hommes là, le Seigneur, c'était le Seigneur qui parlait parce que c'est le Seigneur. Moi, je connais la voix du Seigneur. Je sais quand c'est le Seigneur. Le Seigneur leur disait que je vous ai dit que c'est vous qui devez protéger mes filles. Donc, c'était vous le chef des familles. C'est vous maintenant qui avez emmené mes filles à pêcher avec mes enfants. Donc, par groupe comme ça, ceux qui ont payé des terrains, qui ont fait des fausses choses là, les faux papiers, les fausses déclarations, il y avait, et puis quand ils avancent, ça c'était comme les femmes là, il y avait des trucs qui étaient collés sur eux. Quand ils avancent comme ça, les péchés là sont collés sur eux, les versets là. En fait, il y a les péchés et puis il y a les versets. Il y a les péchés et puis il y a les versets qui étaient collés. C'est comme si on collait des feuilles sur eux. Et puis les feuilles là, tu vois, tant, fausse facture, ou bien faux bulletin, ou bien tu vois fausse déclaration, ou bien faux mariage, ou bien oh, ce que tu as voulu, c'est dans ta main. Donc, c'était comme ça. Et puis ils avançaient, amen. Ils avançaient par groupe, puis ils disparaissaient. Et puis j'entendais vous. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était encore. Et puis c'était comme ça. C'était beaucoup. Fausse paternité, fausse déclaration de paternité, fausse adoption, faux regroupement familial, tout ce qui était faux.
Tout ce qui était faux, fausse manipulation là, les trucs, qu'est-ce que le Seigneur a dit aussi à un groupe là, que vous voulez avoir ce poste là, donc vous avez trafiqué tout ce qu'il fallait comme les documents là, pour que vous puissiez avoir le poste là, et donc il y avait ça aussi, bien aimé, c'était dur, c'était un jugement dur, il y avait tout ça, il y avait aussi les papas qui avaient empêché les mamans de dire la vérité aux enfants, que c'est pas leur père, ou bien ils ont été adoptés, ou les trucs comme ça et tout ça là, il y avait ça aussi. Il y avait aussi les papas aussi qu'ils ont fait plein d'enfants. Et puis, ils ont renié les enfants-là. Et puis, maintenant, ils ont pris les papiers de ces faux enfants-là. Par exemple, quand j'ai demandé que je n'ai pas compris là, que le Seigneur expliquait là. En fait, il y avait des gens qui avaient des enfants. Ils ont dit que ce n'est pas leurs enfants. Ils ont fait la déclaration pour dire que ce sont leurs enfants. Mais après, ils ont dit que ce n'est pas leurs enfants. Ils ont renié ces enfants-là. Ils sont partis se remarier. Maintenant, qu'ils sont partis se remarier là, ils ont eu d'autres enfants là-bas. Quand ils ont eu les autres enfants là, ils ont pris les papiers des autres enfants là pour venir chercher les enfants qu'ils ont régnés dans les autres pays là pour avoir des aides. Pour avoir des aides. Je ne sais pas comment expliquer. Pour avoir des aides. Donc, ce qui faisait que il y a un groupe là. Quand le Seigneur a montré là, amen. Quand le Seigneur a montré l'écran là, eux là, ils ont menti que. Ils sont allés. Les enfants qu'ils ont eu, qu'ils ont laissé leur femme parce qu'ils ont dit que ce n'est pas leurs enfants, ils les ont abandonnés là. Quand ils sont partis dans les pays européens, dans les pays anglophones, qu'ils ont reçu la vie, qu'ils sont mariés là-bas, ils ont eu d'autres enfants là. Ils ont pris les papiers de ces enfants là pour venir chercher leurs enfants qu'ils ont abandonnés là, pour partir avec eux. Mais. Ils n'ont pas mis le nom des enfants. Ils ont pris les papiers des vrais, de leurs enfants qu'ils ont eu dans leur deuxième mariage pour venir chercher leurs enfants. Ils ont trafiqué. Ce que moi j'ai vu là-bas, c'était une affaire de trafic, trafic d'âge. Trafic d'âge. Ils ont trafiqué ça pour que leurs enfants viennent. Mais quand les enfants sont venus là, c'était pas pour que les enfants vont venir, c'était pour qu'ils vont prendre l'argent. Amen. Parce qu'il y avait ça. Il y avait ça. Et puis il y avait aussi d'autres gens qui avaient fait venir leurs cousins, leurs frères, les enfants de leurs soeurs, quoi. Et puis ils ont dit que c'est leurs enfants. Et puis ils ont fait venir ça en Europe, en Amérique, tout ça là, au Canada, tout. Et puis ils ont eu des aides. Alors que c'était pas leurs enfants. Ils ont menti que c'était leurs enfants. Alors que c'était les enfants des cousins, des cousines, des tantes, tout ça, qu'ils ont fait venir. Et puis ils ont touché l'argent de l'État. Tout ça là. Et puis, ils ont mis maintenant les femmes avec qui ils étaient, ils ont mis en difficulté. Parce que dans ça, là aussi, il y avait polygamie aussi. Hé, hey, bien aimé, il y avait aussi des gens qui étaient dans la polygamie, qui avaient deux, trois femmes, tout ça aussi, les enfants là. Tout ça là, ils ont fait venir d'Afrique, ils ont fait venir des pays, de certains pays, tout ça. Et puis, ils ont pris l'argent là. Les femmes étaient au courant. Tout ça là, alors que les enfants ne vivaient pas sur le territoire. Les enfants ne vivaient pas sur le territoire, les enfants vivaient ailleurs. Amen. Ils vivaient ailleurs, mais ils ont dit que les enfants vivaient sur le territoire pour toucher l'argent. Et puis l'État payait. Et puis ils ont eu des maisons, ils ont eu des appartements. Tout ça là, les appartements que vous avez eus là, avec les faux papiers là, tout ça là, il faut se repentir. Il y avait ça, le jugement là-bas. Les aides que vous avez eues, que vous avez menti. Même, il y avait le monsieur là, que le Seigneur a dit que pourquoi tu as fait que ma fille a menti, qu'elle vit avec toi pour avoir les aides, alors qu'elle ne vit pas avec toi. Vous n'êtes pas marié, vous êtes un faux couple, vous n'êtes même pas en couple, vous êtes juste des amis, mais vous avez fait comme si vous êtes en couple pour que l'État vous aide. Et c'est péché, vous avez perdu de l'État, vous n'êtes pas repenti. Le jugement était dû. Il y avait aussi dans les familles, les choses que quand vous avez les entreprises familiales, et puis vous arrangez là, les papiers que vous arrangez pour faire du faux là. Il y avait des églises, il y avait des hommes de Dieu dedans qui avaient trafiqué avec les. Je vous ai dit que j'ai vu les femmes pasteurs là-bas là, les mamans pasteurs là. Ils avaient trafiqué les choses avec les mamans pasteurs là, pour faire les trucs, parce que je voyais qu'on leur reprochait quand ils faisaient leur comptabilité, quand ils faisaient les papiers de l'église, ils ont menti pour augmenter des fois ce qu'ils avaient besoin, ils ont menti et puis ils ont pris pour eux, des fois c'est pas ce qu'ils avaient besoin, puis ils ont menti aux fidèles. Par exemple, ce que j'ai entendu là, peut-être que c'était que l'église avait besoin de 1000 euros, et puis eux ils ont dit que l'église a besoin de 10 000 euros, et puis ils ont pris le reste là pour eux, tout ça là, c'était là-bas aussi. Et puis, qui était dedans? Tous ceux qui ont fait aussi là, ils étaient là-bas aussi avec un jugement. T'as dit au comptable, quoi. Et puis il y avait même des diables, parce que je vois que quelqu'un avait dit, le Seigneur avait dit à quelqu'un là-bas que toi tu es un ancien. Et puis ça s'est passé comme ça. Comment se fait-il que toi tu n'as pas pu empêcher mon fils de faire ce qu'il a fait? Et puis il entraînait mon église et ma fille dedans et les enfants dedans. Tout ça, il y avait ça aussi. Bien aimé, le jugement était dû. Et puis aussi, bien-aimé, tout ce que vous faites dans le corps de Christ, là, quand tu es un serviteur de Dieu, là, et puis tu entraînes ta femme, là, quand vous voyagez, et puis vous partez faire les choses, les conférences, les quoi, là, quand on vous donne les choses, là, il ne faut pas prendre pour vous seulement, il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Dieu disait que les gens l'ont volé. Il y avait des hommes de Dieu, les femmes étaient accusées
qui étaient accusés parce que quand leurs maris sont venus là, c'est là que le Seigneur a dit à leurs maris que ma fille et toi, vous êtes des voleurs, vous m'avez volé. Parce que quand on vous invitait là, vous prenez l'argent là, quand vous prenez l'argent là, quoi, vous demandez des gros cachets. Et puis à cause de vous, on appauvrit l'église pour vous donner les gros cachets. Et quand vous donnez les gros cachets là, quand vous prenez là, vous ne me donnez rien. Maintenant, moi, j'étais là, j'ai dit à mon cœur là-bas que, ah, il ne donne rien. Et puis, à un moment, c'est comme si mon cœur était ouvert. J'ai eu la réponse tout de suite. Je ne vais pas vous expliquer. J'ai eu la réponse tout de suite. J'ai entendu que, ah, il ne me donne rien. Il me volait comment? Parce qu'ils ont eu beaucoup, mais ils ne donnaient pas à mes enfants. Ils ne donnaient pas aux pauvres. Ils ne donnaient pas aux gens qui avaient besoin dans leur église. Ils s'en foutaient complètement. Ils prenaient cet argent-là pour faire la vie, pour s'exhiber. Bien-aimé, j'ai vu des hommes de Dieu là-bas en difficulté. Hein. Et puis moi, je vous ai dit, le message que je donnais avant là, que les hommes de Dieu qui sont riches là, vous devez aider. Oh. Vous devez aider. Moi, je parle, vous ne m'écoutez pas. Oh. Je vous ai dit qu'un homme de Dieu ne peut pas... Tu ne peux pas avoir des jets. Oh. Tu ne peux pas avoir des jets, 1000 voitures, quoi là. Pendant qu'il y a des gens... Si tu laisses avec toi et puis que Jésus sait que tu connais quelqu'un qui est en difficulté et puis tu gardes toutes ces trucs-là sans que tu l'aies dit là, tu vas rendre compte. Oh. Dieu bénit. Oh. Mais Dieu bénit pour que tu partages. Dieu bénit pour que tu donnes. Donc, là, actuellement, là, il y a un là qui est en difficulté là-bas. Moi, je ne le connais pas. Le Seigneur lui a dit que tous tes jets là, toutes tes voitures que tu as là, et vous, toi et puis ta fille là, vous me volez. Vous avez pris ça pour faire votre richesse. Vous dites qu'on vous a offert, vous dites que aussi vous avez acheté. Mais dans tout ça là, comment se fait-il que dans la rue où vous habitez là, les gens sont en train de souffrir. Dans la rue où vous habitez là, mes enfants souffrent. Comment se fait-il que là où vous êtes même là, mes enfants souffrent? À plus forte raison, dit que les serviteurs, apparemment, l'homme de Dieu la connaissait des serviteurs qui n'avaient rien. Mais il n'a pas aidé. Comment se fait-il que tu n'as pas pu aider mes serviteurs qui n'ont rien? Même, et puis maintenant, dans mon cœur, je disais que, peut-être qu'il ne les connaît pas. Et puis, je vous dis que c'est comme si on me répondait dans mon cœur. S'il les connaît, et même s'il ne les connaît pas, là, deux fois, je fais que mes serviteurs disent qu'ils ont besoin, ça rentre dans leur, par tout moyen. Des fois, c'est visuel. Des fois, c'est des messages. Que pas des messages. Des fois, c'est visuel. Des fois, c'est même des fidèles qui parlent. Je fais tout pour qu'ils entendent qu'ils doivent donner, mais ils ne veulent pas donner, soit du dessus de cœur. Et maintenant, ils entraînaient mes filles dedans. Donc, en fait, c'était le jugement pour les hommes. Donc les hommes, c'était ça que le Seigneur leur reprochait. Mais le Seigneur leur reprochait, c'était eux qui étaient à la base. Dieu n'a pas dit que c'était leur femme. Hein. Dieu n'a pas dit que c'était leur femme. Elles ont été condamnées. Mais Dieu a dit que c'était eux qui sont le chef de la femme. Hein, le chef de la femme. Donc c'est eux qui devaient veiller à ce que ça ne se fasse pas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont défilé. Les faux mariages, les faux papiers. Toi que tu as pris les faux papiers pour travailler. Tout l'argent que tu as eu là, c'est du vol. Tout l'argent que tu as eu là, avec les faux papiers que tu travailles là, c'est du vol. C'est du vol. Bien aimé, laisse-moi te dire ça, c'est du vol. Amen. Aussi, si tu t'es marié avec papier de quelqu'un, c'est pas un vrai mariage. Il faut te repentir, voir avec Dieu comment tu vas faire. Trouver les vrais hommes de Dieu pour voir, en tout cas les hommes de Dieu que Dieu a vraiment appelés, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment tu vas faire. Tout ce que tu as pris de faux, si tu as eu une maison avec faux bulletin, si tu as eu une maison avec un papier de quoi, si tu as eu une voiture avec un faux papier, si tu as eu une assurance avec un faux papier, si tu as eu un travail avec un faux, si tu as eu un terrain, en tout cas, tous les faux que tu as fait pour avoir quelque chose que tu as en ta possession là, il faut que tu te repentes, il faut que tu vois comment tu fais et il faut que tu rembourses. Amen. Donc, c'est ça. Il faut que tu runs. Amen. Il faut que tu runs. Il faut que tu runs. Comment tu vas faire? Comment? Il faut demander à Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Sinon, tu peux m'appeler. J'ai mis mon télégramme là-bas. Là. Tu peux m'appeler. Tu peux m'écrire. Tu peux m'appeler. Moi, je vais essayer de t'orienter vers un homme de Dieu ou bien vers des hommes de Dieu. Amen. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passait maintenant? Même si sa femme a fait toutes les affaires, elle a fait les trucs, menti, elle est partie mentir pour avoir le regroupement familial pour son mari. Et puis elle a dit qu'elle était enceinte, elle a dit plein de trucs, et puis son mari a pu la rejoindre. Tout ça là, c'était du faux. Et bien aimé, il y a plein de condamnations sur les regroupements familiaux là aussi. Regroupement familial là, il y a plein de problèmes dessus. Maintenant ça c'est fini.
Ça là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, mais comment ça, c'est quoi tout ça là? Et puis il n'y avait que ça, ça défilait seulement pour tous les faux. Tu as fait faux, tu as fait faux, tu as fait faux. Faux travail, faux mariage, faux maison t'appartient pas. Le compte bancaire, c'est que tu as ouvert compte bancaire, c'est les faux. C'est pas avec des bons papiers. Donc tout ce que tu as fait, c'est du vol. Tout ce qui arrive dessus là, c'est du faux parce que tout à la base, c'est faux. Faux, tout était faux, 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 faux. Bien aimé, que des faux, 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 faux. Tout ce qu'ils ont reproché, enfin, blablabla, le Seigneur a tout reproché. Tout. Maintenant, et maintenant, le Seigneur a dit que oui, je vous. C'est ça maintenant que le Seigneur a dit maintenant, 2 Pierre là. Le 2 Pierre, 2 Pierre verset 3, 3, 2 Pierre 3 verset 7 là. Et puis, je crois que c'était Éphésiens 5 verset. Éphésiens 5, verset 23, là. C'est ça que le Seigneur prenait ça pour dire à chaque fois. Il prenait pour dire à chaque fois. Il prenait pour dire à chaque fois. Il prenait pour dire à chaque fois. Moi, j'étais là, je disais, Et puis, il y avait aussi Éphésiens 6, verset 4. Mais ça, j'ai vu ça chez les enfants aussi beaucoup. Donc, voilà, bien-aimé, c'est tout ce qui est faux. Donc, toi qui as été adopté, si les papiers sont faux, il faut que tes parents, là, ils se repentent. Si ton papa aussi t'a pris pour dire que tu es son enfant, que tu n'es pas son enfant, là, il y a repentance. Si la maman aussi a dit que vous êtes donné un papa, alors, et puis elle a dit que c'est... Même si le papa, il sait, et puis il sait que vous n'êtes pas ses enfants, et puis il dit à tout le monde que vous êtes ses enfants, là, alors que c'est faux, là, c'est pas vrai, c'est faux, il y a problème, c'est du faux. C'est du faux parce que tout le monde vous appelle ses enfants, pourtant ce n'est pas ses enfants. Amen. Voilà, tout ce qui a été fait avec les papiers, toutes les reconnaissances, les fausses reconnaissances. Toi qui es tombé enceinte pour devenir, pour avoir les papiers, tu as fait reconnaître ton enfant par quelqu'un. C'est du faux. Tout ça, c'était le jugement des hommes là-bas. Hein? J'ai vu des hommes. Il y avait plein d'hommes comme ça qui ont enceinté plein de filles. Et les filles qu'ils ont enceintées là, ils ont eu les papiers grâce à ça. C'était du faux, c'est du faux, en difficulté. Je vais parler pour les enfants après, en difficulté. Amen. Et tout ce qui est faux, les voitures, les maisons, le terrain, et tous les comptes, les quoi que tu as eu, que tu as fait du faux pour avoir ça. Tout ça là, il y a problème. C'est du faux, il y a du problème. C'est du faux, il y a des problèmes. Tout ce que tu as fait, tout document que tu as utilisé, qui n'est pas vrai, que tu as utilisé pour acquérir quelque chose que tu n'as pas rendu là, il y a problème. Amen. Donc voilà, j'ai transmis. Si tu as pris papier de quelqu'un, tu as pris papier de quelqu'un pour aller travailler, tu as pris papier de quelqu'un et puis tu n'as pas rendu, tu continues à travailler avec ça. Tout ça là, c'est un jugement. C'est des faux, c'est des faux, c'est des faux. Tout ça c'est faux, tout ça c'est faux, 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 c'est faux. Bien-aimé, mon nom là c'est Sophie Camara. Écoute ce que je t'ai dit là. Moi-même là, je me cherche. Je me cherche, hein. Je me cherche. Je te dis la vérité claire. Claire. Moi je ne suis pas les gens, les chrétiens qui viennent te dire que oui, voilà, moi là tout est blanc, coco. Non, moi-même, je me cherche grave. Donc écoute-moi. Écoute-moi, nous tous là, on est concernés, écoute-moi, il faut te repentir. Si tu te trouves dedans là, il faut sauter, il ne faut pas t'asseoir parce que ton âme est en danger. Écoute-moi bien, ton âme est en danger parce que ça s'appelle la restitution. Ça s'appelle la restitution. Et le diable là, il combat ça grave. Donc là, il ne faut pas te... Même si tu as pris... Même les enfants que tu as pris de quelqu'un là, si c'est avec des faux que tu as fait, même si on t'a payé pour avoir des enfants, tout ça là, je vous dis, c'est grave, 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 c'est grave. Le jugement là, c'est grave, j'ai vu, c'est grave, c'était pour les hommes. Les hommes et même les corps de Christ, vous qui volez là, déjà tout est écrit. Oh. Quand tu vois que tu as besoin de temps, tu dis que ah, pour payer un terrain, il nous faut 1 million ou bien je ne sais pas quoi, CFA ou bien dollars. Et puis tu vas dire que c'est 10 000 euros, 10 millions d'euros, je ne sais pas quoi, quoi, quoi là. Tu as menti. C'est écrit là-bas. Dieu va te demander compte. Tout ce que tu as menti là, tu vas lui dire. Tout ce que tu as pris là aussi, tu vas rendre. Moi, il est transmis. Donc, voilà, je suis là pour ceux qui ont besoin. Vous m'appelez. Sinon, vous cherchez les hommes de Dieu aussi. Il y a beaucoup de chercher des vrais serviteurs. J'aime pas dire vrai. Chercher des serviteurs de Dieu. Demandez à Dieu qui vous oriente vers les serviteurs de Dieu, qui a appelé les servants de Dieu et tout ça. Et puis, ils vont vous aider. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis. J'ai vu ça. Ce jugement-là. Et puis, maintenant, à la fin, qu'est-ce que j'ai vu? Quand ils passaient, ils étaient enchaînés, ils avançaient comme ça par groupe. Un groupe enchaîné. Ils sont venus en rang, mais après, c'était groupe par groupe. Par rapport au péché, groupe par groupe. Et puis, on me disait tel péché.
Et puis le Seigneur disait que c'est à cause d'eux, parce que c'était eux qui sont, c'est eux les hommes, c'est eux qui ne devaient pas faire. Mais il y en a qui ne savaient même pas, ils ne connaissent pas Christ, tout ça là. Ah, c'est ça, il y avait jugement là-bas. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Toi qui ne connais pas Jésus là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, parce que si tu ne le connais pas là aussi là, tu es grave en difficulté. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? Ce que j'avais vu là, c'était. J'avais vu de loin, mais je ne voyais pas, je voyais pas à ce moment-là. Mais quand j'ai vu que tout le monde partait là, à un moment là, j'ai voulu regarder de loin, puis mes yeux se sont ouverts. En fait, c'est comme si on les met dans les bennes. On les met comme dans des bennes. Je ne sais pas comment on dit dans des bennes, dans des chariots. Et puis, comme le sable, on les jette dans un trou. Et puis, ils tombent comme dans un trou. Ils tombent comme dans un trou. Donc, tu les vois, on les jette dans le trou. Là, et puis, ça crie. Et puis, le feu là sort. Comme ce que j'ai vu chez les femmes là. Et puis, le feu là sort comme ça. Je vois ça fou. Et puis, ça monte. Et puis, ça sort. C'est comme ça que j'ai vu. Et puis, ça crie. Et puis, maintenant. Le Seigneur m'a dit, va dire à mes enfants qu'ils doivent faire les restitutions. Que tu as dit là, ils doivent faire les restitutions. Bien-aimé, moi-même, je suis concerné par les restitutions. Il y a une personne qui m'a appelé pour me dire que toi, tu donnes message de restitution. Maintenant même là, tu as dit que tu dois quoi. Je lui ai dit que, mais si tu vois que j'ai parlé, c'est que moi-même, je suis concerné aussi. Donc, moi-même, je lutte aussi pour faire les restitutions. Toute personne est concernée. Je vais dire le reste des restitutions à ce que c'est. Parce qu'ils sont assis chez eux, ils croient que c'est ce que j'ai dit là seulement. C'est très large. Vous allez être surpris de ce que je vais dire. C'est très, très large. Donc, voilà. C'est ce que j'ai vu, bien aimé. C'est ce que j'ai vu, oh. C'est ce que j'ai vu. Donc, luttons pour faire nos restitutions. Luttons. Faut pas calculer gauche-droite. Faut pas calculer qui te parle. Faut pas calculer quoi. C'est ton âme qui est en jeu. Maman, papa, c'est votre âme qui est en jeu. Faut pas calculer quoi. Donc, c'est ce que j'ai transmis. Si vous comprenez pas là, voilà, vous m'appelez, on va en parler. Sinon, cherchez vos hommes de Dieu. Cherchez vers qui Dieu va vous orienter. Amen. Pour ça. Et toi, tu connais pas Dieu aussi. Ah, tu peux aussi m'appeler pour que je t'explique. Hein? Amen. Voilà, j'ai transmis le message. Je vais donner maintenant pour les enfants. N'oubliez pas que les rangées que j'ai vues là, n'oubliez pas, je vais revenir dessus. Amen. Donc, la rangée des papas là a disparu. Maintenant, c'est les rangées maintenant de ce que je vous ai dit là, les enfants là, les trois rangées des enfants là que j'ai vues, je vais en parler. Voilà, donc j'ai fini le message. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous tous, nous sommes concernés. Luttons pour faire les restitutions. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous aide, ô bien-aimé. Qui nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai transmis. Père, j'ai transmis ton message. Toi-même, tu prends le contrôle pour nous aider. Car le message de la restitution emmènera beaucoup de gens en enfer. Seigneur, aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.